Mbaki Sénégal, assalamu alaikum. Mbaki SB, assalamu alaikum. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous Sénégal. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les damay doré sama waxtan ci samay rak samay xarit samay mbokk yi nga xamné tek nañ len loxo demb muy ay membre de ma garde rapprochée le ci Macky Sall djublu dafa teunku ci ben plan bo xamné luñu lal la ci bir police ak gendarmerie Antoine Diom coordonné ko. Nous sommes faux, nous faisons des choses, nous faisons des choses, nous faisons des choses. Ce qui est le plus important, c'est que nous sommes dans la politique. Mais la politique. Voyez, malgré ce que nous avons dans l'armée et dans l'armée, nous avons quelques éléments de sécurité. Nous avons deux choses qui nous ont dit. Nous avons dit que nous avons fait ça. Dina taxawal suñu doxalin ñun rawati na ci li ñu door muy nemeku tour moy dem dajé askanu Sénégal waxtaan ak ñom ñettel bi moy xoxatal xoxatal nit ñi ba kenn dootu ñëwé jégué Ousmane Sonko wayé ma yégal Macky Sall ni ci ñetti fann yo yépp nak lajna ni mu lajé ci pexel Ousmane Sonko bimi Macky Sall ba tay ji lajina ndax mom dafa xamul lan moy sama sécurité ñi taxaw ni ño ci gëna neew té ñi taxaw ni xaaliss bu ñuy ut taxulena and ak Ousmane Sonko way dañu gëm projet bi ñu bok ci ni ci militant yépp bokké motax ku yaakar ni meun nga leena xoxatal ci ay japp yu ñak fayda da ngay sonal sa bop ñaaral bi dama ne ñom ño ci gëna tuuti ñun amuñu problème sécurité waye liñu xamul moy man sama sécurité ay milliers de jeunes sénégalais la suma wote won légui fi ay milliers jeunes sénégalais ñoy ñew kon sama sécurité kenn mënu ko tass ñettel bi moy nemeku tour bi mënuñu dara bu soobe yalla sax seen bi ñuy dugg ñu continuer ndax def nañ suñu premier département alhamdullilah dem séti sénégalais waxtaan ak ñom gis ci lu upp sax suñu yaakar ci nit ñu dalé ci ni ñu amé yaakar ci ñun premier département alhamdullilah jambat ci réew mi dem séti sénégalais waxtaan ak ñom gis ci lu li xew na sax suñu yaakar ci nit ñu dalalé ci ni ñu amé yaakar ci ñun waye yeen seen jambat ci réew mi ak natt yi nga xamné Macky Sall tek na len li xew nak demb ñepp xam nañ ni provocation la dañ ko andi moy xam nañ ni liñu yëkëti won fokk ni mën nañ ci pexel Ousmane Sonko gis nañ ni loolu du mujj fenn te dina ci ñëw bu ci kanam ñëw toga ak tor ak yeen ñu and def suñu activité kon
biñu xamé ni loolu du mujj fenn seen pexé yépp moy nuñu def ba dossier bi jur yenen dossier façon provocation bu net nañ ko def ci jamono yi pour am luñu génné wat lu bokul ak loolu bu len faté ni mois de mars 2021 bañ may japp yu bari lañu génné won lañ ma bindalon ci dossier bi moy trouble à l'ordre public et appel à un regroupement non autorisé ñu génné ci loolu dadi bindat appel à insurrection et xawma lan menace sur les institutions yoy yep mi ngi ñu bind fofu parce que sen stratégie la moy xam nañ ni bi du dem fenn il faut ñu fexé ba créer ci dess bu len faté ni tay procureur ci benen complot dem na fexé ab dossier dem out ab révélam bo xamné kenn xamul fu mu ko jëlé né nak ak kumu munti doon ku nekk ci gannaaw rebel bi dina dal ci kaw japp nañ suñuy goné tejj len né ay terroriste lañ tuddé len force spéciale ay force spéciale su fi amone gis nga passé su décidé won yëkëti force spéciale Macky Sall jël na avion bu yag dem ñu tuddé len force spéciale té dossier yépp may tuddu nak dinañu fexé ba am ñu tiñal waye yokku ci ben x bo xamné ñepp xam nañ x bobu Ousmane Sonko lañ ci wër kon ñi ngi ci pexé yo xamné dañuy lal yu bari né fo jaar nak dina am ben bu jall ma dalal xelu Macky Sall ben du jall ben ci ay pexem du jall xalé yi ñu japp nak ku juggé kërëm and ak sécurité ak réew mi ni mu mel ak dëkk bi ni mu meloon demb dem uyu ji tribunal yegg ak ñom ba buntu juge and ak avocat am dugg ci bureau juge genn ñu ne ko sa sécurité kidnappé lañ leen yobbu leen mbour lolu ay méthode pays stalinien yoyu la du méthode sax réew bu am démocratie te procureur mbour waxul deug yag na wax ni principal problème du Sénégal moy justice bis bu Sénégal di tak justice mokoy tal te principal bras politique Macky Sall tay moy justice Macky Sall amul dara manul dara tele na ci ay adversaires man de manuluma dara ci katanu yalla waye toujours ben pexé la am te da koy jaaré ci justice te dina ci ñëwaat bu ci kanamé waye ñi mu japp defuñu dara ñoñu man mi lañu andalon parce que société ñu ñu cibler moy ñi gëna jégué Ousmane Sonko ñi nga xamné do gis Ousmane Sonko mukta gisso len ñaar ñi ci gannaaw ñaar ñi ci kanam ñoñu bi incident di am man lañu andalon parce que ñoñu duñu bayyi sen leader dem di dakanté ak ay nit ak lu munti am ñun su suñuy liggéey ñoñu toujours ñomay wër man waye japp ay nit kidnappé len yobul len duggal len ci benn nek daldi wo des plaignants ne len identifier len ñi la ñu ne waw ñi la mu jog taxaw mom procureur nek juge parce que dafa nek formellement identifié comme étant coupable procureur day poursuivre rek du mom moy juger waye lool moy justice Sénégal aujourd'hui tol nañ fo xamné suñu mbokk magistrat yi nañu moyetu suñu waxé ñu genn di def ay déclaration di yox waye momu ñu dëkk bi dé laqatu ci gannaaw justice damay def sama liggéey mu leer ni yoon di la wax nga wacc ko fi dem def leneen bis bu rew mu také do ci mucc dé nañu moyetu di yé fitna parce que Macky Sall momu rew mi té nañu jital yalla seen liggéey té bu soobé yalla nañ bay xalé yoyu parce que defuñu dara pastef lan lañ ko fi deful songu nañ suñu siège ak ay jasi ganci ay xalé ñu déposer plainte ñu denc plainte bi ray nañu suñu jigen Mariama Sagna ba légui tek nañ ko feulé dor nañu suñu nit dam nañ ay loxo ray nañu suñu ndaw yu bëré enquête sax ubbi wuñu ko barki demb deg ngeen bi wa amni ci ñëw fi
exiger ñu def enquête waye bis bu ne ñu ngi pexel té wa dëkk bi yëpp lay waxal nak jittel ci kilifa yi parce que kilifa yi waru ñu di intervenir ludul Macky Sall sukuna fi lek Macky Sall duma wuñ ko ba mu sukku rek kenn du intervenir waye mom mën na xey di door nit ñi di duma nit ñi di def lu ko neex kenn du wax ci loolu rew du doxé nonu nañu jittel deug ñun ñep lu ko moy rek fiñu jëm du baax amna lu xewon ci rew mi ay kilifa sakku ñu ñaan ñu te jamono ñu ñep xamnañ ni pouvoir bi daan won na ñun nangul len ko tek sen loxo ñu lañ ñu tek sen loxo lan moy suñu jambat ñu tek ko sen loxo ba legi deggu ñu ci dara ci deggenti gi waji dem na wajal bopam jënd ay ngannaay wajal bo ba legi mi ngi dal ci kaw nit ñi wa ñun xana dañuy teunk suñu loxo bay ki ñu jakkar lool nak mom ay loxom libre muy door nañu sétat rew mi ndax nak lu upp touru de ba tax nak ñu wax ni bu soobe yalla dañ leen bayyi te wañi wuñu dara ci suñu karange ñun ndax ko gis lima wër xamni manké wuma sécurité dañuy perdre sen temps rek nenañu sen opération bobu ñu ko tuddé bay bu sonné mat lolu moy code bi bir police moy nañ leen di provoquer di leen provoquer di leen provoquer saay ñu démé ba seuss rek dinañu agir saay ñu agir rek ñu japp leen motax ñu dem ba ci ki djel ko xamne president say liguey Macky Sall la andal mu djel ay ndawam ñun ñew nañ ci dekk wa dekk bi yeb genn teruñu comme niñ ko defé bob mo neewon suñu dernière étape wala suñu avant dernière étape def nañu des dizaines de villages ci département de Mbour fuñu dem askan wi yeb genn teruñu ñu waxtaan ak ñom ci dal ci réew mi genn dem suñu yoon dem ba fofu ñu préparer sen coup yow ay nit buñuy dajé di waxtaan sa yon newu ci kay doxal sa soxla lo fay dem outi di saga nit ñi ak di sanni xeer lan nga fay outi nit ñi dañuy def légitime défense bo len attaqué té li ci ëpp ñom ak dekk ndaw ndaw dekk ba la parce que dañ fa am militant té ñoleen fa ëpp militant ndax ci ki ñun ñoko gagné ci élection législative di commune de Dias ñun ñoko gagné ci élection législative kon fo gagné ëpp ñu la fay nit ba di la fa songu lolou mo yon ben bi nga xamne mom la beugone ubbe ñaarel bi moy li xewon demb wala benen bi xewon demb te jur li demb doyen des juges maham diallo wolu dama ma dem uyuji ndax ma fateli ko man musuma baña uyuji ndax ku ragal moy moy baña uyuji waye rew sax bo xamne republique la amul kenn ko xamne mën nañ la wo nga ne duma yuji bama ñëkke ne duma yuji dañoo respecté wul won sama droit mané duma yusi waye bañ ko respecté donté wëlbeuti nañu mbiri dama jog tranquillement sama kër le 3 mars né ma ngi wuyuji ñu saboter mbir ma parce que xamoon nañ ni suma démé gatché lañ ciy jëlé ñu saboter mbir mi wa man wa Sénégal lay waxal demb xeyna dem yoon bima bëggoon jaar le 3 mars ñu bañal mako yoon bobu la jaar demb amul lu ci changer le 3 mars dama genn sama kër genn cité kër gor gui jaar Mermoz ne damay genn corniche dem tribunal ndax moy yoon bu gëna gaaw pour kuy dem tribunal à partir de sama kër ñu ne duma jaaré nonu faw rek man ma jaar yoon biñu bëgg lolo andi won ciow 3 mars ak li ci téggu kon ñepp xam nañ ko togn ndax suñu ma bayoon le 3 mars heure bi dossier bi paré nañ ko bu yag dem bima xeyé sama kër même yoon bi la jaar amul ben différence kon lu téré won ñu bayyi ma jaar yoon bobu le 3 mars lan moko téré won kon ñom ñoy di yé fitna ñom ñoy di andi ay problème man en tant que citoyen sénégalais buñ ma wowe amna jaar fuma neex amna droit jaar fuma neex li am solo moy suñ la né midi na la fekk tribunal waye suma nexé
ma jugé mbour sax wala ma jugé ties di dagu di ñew waye midi lañ mo wax naay ga tribunal midi naay ga tribunal suma né damay jaar buntu université nañ ma bay ma jaar buntu université suma né damay jaar centenaire nañ ma bay ma jaar fofu parce que démocratie lañu nek té kenn notifié wu ma itinéraire né ma fi nga wara jaaré bu lo wéso nak dem nañ wuy ci jamm nima ko waxone sénégalais yi ñibisi ci jamm fanan suñu kër ci jamm ndax nak néna len dossier bi du ngeen ci mësa dégg tej nañ ci Ousmane Sonko dé du ngeen ko mësa dégg du ngeen mësa dégg dossier bi téré na Ousmane Sonko nek président de la république inshallah té luma len mësa wax gis ngeen ko bañu démé wuyu ji doyen des juges ñetti laaj lama laaj ñett wax ji bari na ko nek di inventer lu né bind nañ ko waye ñetti laaj lama laaj gis nga interview bi su audition bi su guddé mako guddal audition mënon na durer 15 minutes audition bi mënon na durer fukki minutes ak juroom ndax doyen des juges ñetti question lama laaj mu paré substitut procureur né dafa am ay laajam mané ko duma tontu say laaj ndax parquet bo xamné ci complot la dëkk duma ko tontu té dina la wax fan ngeen comploté na la ci jox ay preuve mu lem ay bagasam tok té la ci paré kon interview mu ñëw fofu audience bi mu ñëw fofu man mako yok mako guddal parce que li ma waron wax il fallait ñu bind ko ci dossier bi lan la wax doyen des juges té dina tejé nak ay lajam lima ko wax moy dossier bi lañ ma ci jiin dara amu ci ay katch nén la té yow doyen des juges yow bima inculpé bo amé ay preuve té ko ci table bi parce que xam nga ak droit bo meuna jël muy droit canonique liñuy wax droit wu diiné diiné chrétien comme diiné julit muy sax suñu aada ñun muy droit bi ñu yor ki ñu ki tuumal moy andi preuve way di ko ñu timal moy andi preuve suma duggon ci bureau mu andi ay preuve tek néma li dé woné né da nga def liñ la tuumal kon wax ji jeexna bu yagg waye amul ben preuve bo xamné doyen des juges genné nako wala procureur né liñ la tuumal li la amut du ben preuve du luñuy xol du luñuy dégg du luñu bind zéro preuve un dossier vide bo amé preuve nako genné amul ben preuve ludul déclaration plaignante bi gennéwul preuve na ci delu ci nak ben preuve gennewuko wa mané ko nak bu ngeen amé ay preuve ana preuve yi parce que lol day tax mbir mi gaaw dañu nan wacc daano ci gëna gaaw man dé suma jigné nit dara buñu né kët né jonn ma gennel sama preuve tek mané ko nak comme amulen ben preuve dossier bi 2021 8 mars 2021 biñ may inculpé lema bindon ci dossier bi moy liñu wax yépp wédina ko xawma sax lu niro ak lolu liñu wax yépp wédina ko xawma lu niro ak lolu waye yowma ci lolu dé mané ko en plus de ça nak dossier bi ab complot la té complot bi ci nek diw la kon dossier bi ñaari branche yoy la dama bëgg sénégalais déglu mo bax dama di kuñ doon jiñ ba far tay man ma wol biti ku di jiñaté liñuy wax l'arroseur arrosé man lañ doon jiñ ba far man tay man ma wol biti ku di len jiñ wayé sénégalais la bëgg ñu déglu li may wax ni man mi ñu jiñ ñom andi wuñu ben firndé ben preuve ci liñ ma jiñ man mi len jiñ dama andi ay preuve tek ko ci table bi
lan la len djign dama len djigné complot la bo xamné ñom ñoko organiser suma né ñom nak dina lim ay nit fi yo xamné ñom ñepp seen loxo dafa tak rip ci complot bi né na len complot bi Serigne Bassirou Gueye ancien procureur de la république mi ngi ci danaka mo ci ëpp sax ay agissement kiko jappalé deug ci limu doon def moy commandant Abdou Mbeng tay defena colonel la waye jamono joju commandant la won ka ca teggu te loxom tak rip ci complot bi moy général Moussa Fall nga xamné tay mom lañu denk lepp luy gendarmerie motax mbir mi jaral ko lu ne fimné ni gendarme yi néwon ci bammel sax génné lañ leen solo leen tenu Moussa Fall ñettel bi di maître Gabisso maître Fatena Turbi waye Gabi lañ koy wowe mom moy juromel bi bok ñu tek ci maître Dior Diagne bi nga xamné ci lañ ma wax soxna la ci Antoine Diom bu len fatini Antoine Diom it lu ne mu ngi koy dacc ci mbir mi bañ na ba mo dem jël ay wa bip ne moy ar ndaw sa diko rawale tay ma nga sali gannaaw suu ma nga Dakar gannaaw suu ma nga fili ñu tek ci Mamadou Mamour Diallo bi nga xamne loxam tak na ci rip waye ñoo ñepp bo len dajale nak seen digeunte ak Macky Sall mi ne ci gannaaw lu juge wara mënal lu ñëttu la ta tek ko fuma tek nak lima wax moy yalla dafa def ñom biñu commencé ba légui luñu nas rek yalla génné lo xamné fogué wuñ ko déjà ci dossier bi rek ak niñ ko traité amna élément yu bari yo xamné nek na ci déjà na ci déllu ci wayé yalla dafa def bi cioli amé gendarmerie nationale ci njitalu général Jean-Baptiste Tine comme ciowli dafa beuri won ba gendarmerie nationale jaxaso ci mu am ciow ci bir gendarmerie général Jean-Baptiste Tine bi nga xamné mo néwon au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire dafa santone ñu def ben enquête interne pour léral mbir mi biñu paré enquête interne bobu dafa yett rap dafa dem jox rapport bi Macky Sall deg na bim ko joxe Macky Sall daf ko ne j'espère que c'est la seule copie de ce rapport mo wax len ni rapport bobu motax ñu dakk général Tine andi général Moussa Fall ndax fi mu bëggoon rapport bi dem fi ko Macky bëggoon yobbu général Tine qui est un soldat digne dafa def ligéyam correctement rapport bi dafa joxe ben procès verbal numéro 063/4/HC/CAB du 14 avril 2021 affaire capitaine Touré feuillet 1 à 18 ñaar ñi def enquête bi colonel Omar Djoufle ak colonel Crépin Arsène Sambou rapport bobu versé nañ ko ci dossier bi avec accusé de réception xamna fogu ñu won ni yor nañu rapport bobu waye fi Sénégal la tuddu té patriote yi ñi ngi fep sen tapalé ñu nekk du mucc ni mu amé won ci certificat médical biñ doon neup neupal non la amé ci rapport bi non la amé ci yenen ak yenen rapport bi lan la wax ci responsabilité Serigne Bassirou Gueye moy Serigne Bassirou Gueye bi mbir mi amé mom yitem yépp moy won nañu fexé ba japp Ousmane Sonko ci sasi motax mané sénégalais yeen régler ngén dossier bi buñu bëggé def liñuy def mars 2021 askan yépp taxaw né du fi am bobu le dossier bi jéxé parce que buñ ma téggon loxo mars 2021 tay ji ñuy tok ni di wax duma fi nek ma nga feulé rebeus ñu jël sen tané dañuy def sen instruction
parce que Serigne Bassirou Gueye limu waxone commandant Beng daf ko ne je sais qu'il est trop fier dina ñew waye bu excès rek té len ko en garde à vue après déféré ko ñu door ko mandat de dépôt lol mo néwon plan bi té buñu fexone ba laq ma nak duma mëna taxaw fi di wax lañu liggéey yépp pour léral sénégalais du am kon fofu lañu lajjé kon mom dafa li tubab nan obsédé dafa amone yitté bu reëré ci numuy def ba tek Ousmane loxo ci numu gëna gaawé motax dafa mujj di parax paraxé japp enquêteur yi di len def pression bi capitaine Touré paré rapportam dégg na nak ñu nan capitaine Touré mom la andal ak yu démé non wallahi ak aljuma bi ñu né capitaine Touré ben yon la ko mësa gis moy bi mu ñëwé jox ma sama convocation ben yon la ko mësa gis ci aduna xamumako xamanumako jëflanté wu mak mom du demb du tayji Sénégal nak ku am ngor am dignité rek ñu né dafa am lu né ci suuf waye su doon lolu xam ngeen ni nguur lay andal kon liko dal yeb du ko dal dañu waxante deug mu def pression enquêteur yi ne len gaaw len paré dossier bi biñu défé PV bi PV d'enquête yonne ko ko li mi ngi ci rapport gendarmerie bi ma wax dé mom mo dello rapport bi capitaine Beng commandant Beng ne ko changel rapport bi mu ne ko changel rapport bi ci ban anam ñaar anam ben ñaari anam yu graw bu ci ñeuk moy parti rapport initial bi nga xamné yépp c'était à décharge pour man moy parti rapport yi nga xamné dafa doon fessel ni li mënul am mom la ci PV gendarmerie mom lañu def ni souligné ko en jaune ba paré né parti retranché dans le PV modifié du 9/2/2011 et ayant fuité moy parti PV bi nek ci dossier bi nga xamné Bassirou Gueye mom la duggal ci dossier bi fi nga xamné enquêteur yi commandant capitaine Touré ak capitaine Diouk fiñu bind né amna lo xamné mënul andak dossier sif ndax kuñuy sif yow yaay organiser sif bi programmé ko xol état bi ka nga nekkalon ci biir nga ne ko gennal yow ya ko ne gennal kenn newul ni gennal lolou teyna xel mënul nangu ni nit mën nañ ko sif ci anam gi ñaarel bi ku ne man dañ ma yone sms bo xamné mën na compromettre waji ñu ne la ana sms bi nga len effacer nako preuve bo xamné mën na duggal nit ñu yonné la ko nga né effacer nako ñettel bi ñi mu andalon ñu d'accord ni ñom ay fani fan ñi ngi taxaw ci buntu institut bi di gété di xaar Ousmane Sonko ñew ak ñiko fa jël ci lolu yépp ñu Serigne Bassirou Gueye né génné len ko ci PV bi parce que baxul day disculper day woné ni li mënul am procureur de la république buy def lolu faute très très grave là parce que procureur de la république amul droit intervenir ci PV bi mom moy le maître des poursuites c'est vrai mais enquête bi gendarme yuñ ko denk ño am autonomie parce que ñom rek ño poser question ño dem jëli les faits ñom rek ño wara mëna def sen PV kenn du modifier PV même procureur aram na ci mom mu modifier PV waye Serigne Bassirou Gueye yemul ci lolu de PV bi nga xamné mom la enquêteur yi def PV bobu mo nek ni 4 pages ak quelques annexes parmi lesquelles certificat médical bi nga xamné dak na lepp ak audition yi lol la won Serigne Bassirou Gueye né il faut ma charger dossier bi lan la def dafa dem dugg ci ay site internet dem jël ay photo yu bon gis ngeen photo yi ngeen gis ni dem jël ay jigen yu suméku Serigne Bassirou Gueye dem jël ay jigen yu suméku daal koy duggal ci PV bi né institut ba mom mo doon def annonce yoyu lolou fo la mais c'est extraordinaire
PV gendarmerie bi woné na ni li musul bok ci rapport bi waye li gëna neex sama avocat dañu néwon juge d'instruction bi na def réquisition ci police cybercriminalité xol ndax yi parce que amna ay numéro téléphone am adresse Facebook ndax amna rapport ak institut ba bi réquisition yi génné luñu wax amul ben rapport djégéwul sax procureur buy def lolu pour charger quelqu'un parce que lim ci doon out té non lañ ko waxé ci PV bi non la ko capitaine Touré waxé ci témoignage lim doon out moy fexé ba ndaw sé ñuy wax Ndey Khady Ndjay nga xamné lu né tek nako ko touti mu ray domam dañu naron assassiner domam ñu fexé ba gëmlo nit ñi ni mom ap proxénète la da doon jaay ay jigen mëna jaaré fofu pour atteindre ma man li dama ko wax le juge d'instruction dal koy gennel des preuves tek jox ko rapport bi nga xamné lu du luñuy lam lamé motax ci fan yi fi ak lundi bu sobe yalla dina déposer une plainte devant la chambre criminelle de la cour suprême ak devant ligage contre Serigne Bassirou Gueye parce que Serigne Bassirou Gueye ap criminel la tapalem yi mu tapalé mo jural Sénégal fukki bakkan ak ñent ci ay complot yo xamné procureur bokk na ci ñiko sumbu ñaarel bi moy lu mu doon def yépp nak commandant Abdou Mbeng la ko doon def lo parce que bi enquête bi paré ba capitaine Touré ak capitaine Diouk diko doon jappalé joxé commandant Mbeng da leen génné ci mbir mi verrouillé té mom nangunako ci PV gendarmerie bi enquête bi mom nanguna ni mom la Bassirou Gueye né changer le mbir mu changer ko dima len wax ni noir sur blanc la dé mom nanguna lolu motax mané bolé nako ci parce qu'il est complice parce que nit ak numu ti démé ak lo bëgg bëgg carrière buñ la joxé ay instruction yo xamné déppowul ak yoon dang ko wara bañ ñettel bi moy général Moussa Fall général Moussa Fall ay fani fan bala bëss biñu né mom la mbiri am bañuy accusé 15 jours avant général Moussa Fall dafa yebal ay nit dafa yebal ben MDL chef té lol bi ngi ci rapport bi té ñaari gendarme confirmé nañ ko yebal MDL chef wo directement commandant Abdou Mbeng ñu teup toute la hiérarchie de la brigade de recherche dadi wo ben MDL chef ne ko demal beurep sangam bo démé na nga surveiller beurep bi parce que dañ ñu wax ni diw da fa tej ben xalé bo xamné mineur la diko torturer mom commandant Moussa Fall kon mom bokk na ci ñi nga xamné jitu lolu ak gradam bi mu nek ak position bi mu nek tek na ben complot pour né da fay fexé nu muy otalé Ousmane Sonko pour japp ko té li nek na ci rapport bi waye man mi di wax ak yeen MDL chef bobu ñew na ba ci man né ma man mi lañu yebalon fofu man mi lañu yebalon fofu bima démé fexna ba dugg ci bërepp ba bima ko xolé ba paré dama genn nenen li ngeen wax mënul am fi non seulement gis mako fayé mënu fa am parce que bërepp bo xamné fami dëkk na fa ay nit nekk nañ fa loolu mënu fa am li bañ may téé section de recherche ma def fa juroom benn fan MDL chef bobu fekk na ma fofu wax ko kon général Moussa Fall limu def déshonneur le pour armée yag nañ ko tumal nak ay complot yag nañ wax ni lolou moy métier colonel Abdou Aziz Ndaw bind na ci lu bari ci livre am waye li lu ko firnde la mom général Moussa Fall Mamadou Mamour Diallo mom Sénégal yépp xamna ñi tak na ci ndax mbagnel gi ma bañ ci nima ko yolé ci niñu fexé ba escroquer khalisu Sénégal
ci dossier bi ngeen di dégg muy 94 milliards té dem wax nako juge bi néna ko yeen justice matu len justice opposant yi ngeen fi nekké di teub di dal lu len Macky Sall né def len ngeen def lu len né tégg len suuf ngeen tégg ndax dossier 94 milliards fi la ko andi doyen des juges né classement sans suite parce que donté liñu wax amna Ousmane Sonko du mom moko wara dénoncer est-ce que dég ngeen wax jojo ku fekk ñuy sacc nga yoxu ne ep saccé ñu ne la bayil saccé bu mu dem parce que du yow ya ko wax borom kër gi rek mo waron yox ci lo xamné suñu alal la ñun ñepp sénégalais may député un député représenter sénégalais yépp waru mëna wax ci touru sénégalais procureur ma def recours ci mom mu jël mbir mi tek ci tankam waye yalla wo yalla comme dama saisiron of nak génné ben rapport bi dina génn dina publier dañ ko génné ñepp gis ko xam nga rapport bi lu mu wax néna li Ousmane Sonko yépp wax dëgg la escroquerie bu extraordinaire la ba paré laaj procureur né ko ubbil ay poursuite contre Mamour Diallo ak ñi mu andal procureur bu bess bi mi ngi tek tankam ci rapport bobu Macky Sall daal di génné décret nommé Mamour Diallo and ak mom xawma fan ñuy signe melni ñu jaxlé Sénégal li mo fi am bala ngay and ak Macky Sall rek nekkal satchikat wala ngay rey katou nit mu contane nak dal lay nommé c'est extraordinaire ni fi rek la mëna am wayé ci PV audition yi nga xamné Ndey Khady def nako mom ci bopom néna bi mi biñ koy ñëk japp yobbu ko section de recherche Mamour Diall dako wo néko proposé na la 40 millions nga changer sa version muneko def mako mu proposer len ba benne sa muneko kon joxna la 200 millions nga changer sa version pour enfoncer Ousmane Sonko ndaw si diña ngok beug nañu ray sa dom proposer nañ la khalis menacer nañ la toj nañ sa bop jeuker nga am sa dignité ne li duma ci dugg parce que dudul deug duma ci and ken waye yeen ñep nak deg ngeen enregistrement bo xamné Mamour Diallo ak plaignante bi Adji Sarr ño tok di wax mu nan ko liñ la digone yeb dinañ ko ref bu procès bi rombé dinañ la jox sa visa ak sa passeport ak liñ la waxone yeb nga genn rew mi xam nga lolu du luñuy wéranté man lima wax yeb dama ay évidence ay preuve té kèn tégalaguma ben preuve ci ñom liñuy wax motax mané dossier bi jeexna bu yagg wax jé bari rek Maître Gabisso bi nga xamné nak goro la ci Mamour Diallo gorom la Maître Gabisso bobu bi mbir mi amé dafa né mom yégul tinul ñu dem ba ci bir mu né 15 jours avant les faits recevoir na xalé bu jigen bi jox ko ay conseils ñu doxati gynécologue bi mi démé doyen des juges intéressé ko ci PV bi dafa né Maître Gabisso moko wo la veille le premier ne ko est-ce que suba di nga nek Dakar mu ne ko degluma le lendemain mu xey ba goudi waji woko ne ko dafa am xale bu jigen bu am problème sangam dama bu nga dem jeliko mu ne man bugu mon sax waye dañ ko ne xale bi fimne ni mi ngi digeunte de ak dundu so demul du bax comme médecin la bu ne suma demul mu nañ mané assistance à personne en danger non assistance à personne en danger mais ne ma demé ba fofu biñ ma andi len ndaw si dama len ne ki la ki ngeen nan mi ngi digeunte dund ak de kon mom ci ñu rab affaire bi la ci digeunte mak Mamour Diallo ak luñu sekk te lolu mi ngi ci dossier bi juge bi gis nako Maître Dior Diagne bi nga xamne moy soxnaay Antoine Diom yeen ñepp gis ngeen limu ñëk reccel te tay mu andi problème ci bir baro bi ba tax duma ci sori waye Sénégal yépp gissone nañ wax mbir mi naka la wara démé bu len ko tejj bu len ko japp na ngeen def ni nañ fexé ba procès am rek ñu fexé ba yaq deram ngeen bayiko mu ñibbi moy plan bi rek ñom Antoine Diom mom ak kenen ak kenen waye momit cédé amna ni bëss ba mom mo andon ak ndaw si momit ci complot bi
ndax reconnaître nga dem nga fa ak yan date nga fa dem maneko señ bi man duma tok ci mbedd mi fuma duggu daali bind date bi duguna fi dan na fa dem mom waxna ko ñepp deg ko wayé ban date la ban date ak ban heure japp mako ñetti question yi de lama doyen des juges poser amul benen ñetti question lama poser amul benen la ca dess yépp moy lima wax man tamu feñ damuy ay preuve yu leer yu paré ñetti question yi la paré ci affaire bi mom bi procureur jëlé cadeau né day laaj may laaj sénégalais parqué bu bokku ci complot bi est-ce que man warna tok di tonto ay question lu né fang parce que administration continuité la c'est le même parquet ñom tay ñoy def poursuite sur la base de ce que Bassirou Gueye a laissé ici motax dossier bi juge bu jaré yone bu maté juge bëss bi ma dégglu lendemain la wala clôturer dossier bi def classement sans suite parce que amul dossier et il le sait la ci dess yépp wax yaakar ni mën nga yaq deru nit tay la gëna siw ci sénégalais tay la gëna dëgeur tay la gëna am ndax biñu commencé wax ba légui ah suma gënon fi ngeen gis dé té ñaari élection jaar na fi té gis ngeen samay campagne kon ñi ngi sante yalla kon échec total la dégg na nak ñu wax ci lu bëri né nañu dama doon menacer juge bi man menacer wu ma juge bi dé juge bi dama ko wax limako wax dama ko né sénégalais dootuñu nangu réew mi di tak ci benn acte bo xamné benn magistrat mo koy poser parce que nak mom leen nit ñi dé mom leen nit ñi dé doxal leen yoon wax droit jamané ñoy lu ko moy nak su ngeen talé réew mi du ngeen ci muccu lool nak mako ko wax ta amna señ señ bi parce que nak dafa doy ñaari bakkan yi fi mujjii rot su juge cour suprême defone ligéyam xamni arrêté bi préfet bi jël arrêté bu illégal la mënul téré nit ñi manifester su ci base bo xamné amul kon bakkan du rot na magistrat yi dello ci sen xel ci yalla ta bayyi li ñu nekké ñom ñepp xam nañ ni da ngay gis dara am magistrat bo dajel ci ruq mu ne li mu def du yoon de waye xam nga rek avocat yépp xam nañ ni li du yoon waye ñun jang nañu nak dofuñu man numu tututi amna DEA en droit am nañu ay avocat am nañu ay magistrat nañu bayyi dunguru gu ñu nekké ci Macky Sall ta doxal yoon suñu bëggee jamm am ci réew mi parce que ma waxaat ko motax mayon gaay jotagul dem len tok budé bëgg nañu taal réew mi rek nañu essayer def luñu waru def ci dossier bi dégg na Macky Sall kumu gis ne ko lu fi xewon du fi xewat lu ko raw mo fi xew nañu dello ci sen xel té respecter sénégalais réew mi tal na lenen nit ñi lekkuñu nanuñu nit ñi liggéeyuñu nit ñi fajuuñu réew mi nit ñi son lañu ngeen xey suba ba ngon jot di complot pour ngeen liquider adversaire politique lolou ba kañ ay magistrat len ci jappalé fo mu jeex wax nañu tamit ni xawma lan ay mystique ak lu ne man de kuma xam xabe mo mystique ki wolul bopam moy mystique ndax bañ duggé ci bureau ba ci souf yépp ndox la won avocat e non bul jall li safara la gayne ko amé doyé ndox mi num démé mu né non est-ce que ci toiture la joggé toiture bi dé mo gënalona sék fi est-ce que ci toiture bi la joggé greffier bi ne ah non non klim bi la klim bi ken taluko fu ndox di joge gay ne non nañu xaar buñu fobéré man ma dox jaar ci kaw ndox li dem tok japp sama ñambur ndax man Macky Sall sudé xërem rek la yaakar du Moussa am dara ci man ta tégumako fenn dudul gëm yalla woluko ak nit ñu bax ñi nekk ci réew mi di ma ñaanal te kenn xamul nu mu tollu man yoy jaaxaluma ma nga bandas loxo bi fi ba fi xamna dañ ko ne bul nuyu gaay lol day woné manque de confiance te juge bu manqué confiance rek def pression ci kom day yomb juge bu ragal def pression ci kom day yag
motax waxna ko ko nena ko pression ñu lay tegg yépp xamna ko Antoine Diom mi ngay jakkol chaque jour ñu lay wax yegg nañ ko menace yek proposition yek yegg nañ ko parce que ku mëna am document yi ñam xam nga ni réew mi jaxaluñu mané ko mé na nga jël sa responsabilité parce que réew mi du jeex dé fi la nek lool mom mako ko wax té je l'assume kon li mo xew demb da wax nañ ko it fatelina ko nak ne ko man j'ai rien contre lui te dafa di juge bo xamne ñi ko xamone demb ak barki demb nenañu ku jublé won ku fi la ma def li feul la ma def li nangam nangam mané ko lolou lañ la sante té lolou du sa liggéey yow xam nga ni lolou du sa liggéey mané ko tayit awma dara contre toi wayé nak dossier bi bala ñu la koy jox sax février 2021 bi lo dossier bi ne kët na jol nga publier won sa page Facebook ben article bo xamné dañ ma doon saga ci article est-ce que koku jaaduna man ma wuluko ko xamne joxaguñ ko won dossier bi xamul won sax nit nañ ko mësa jox dossier bi mu publier ci page Facebookam ben article ben way Macky Sall bu nek France bu ma doon saga man ak bu ma condamné ci dossier bi ñu tek ci ay 9 mois ñu wo ko mom jox ko dossier bi est ce que lool war nga dal suñu xel ñu ci Sénégal lañu ne mané ko sa digënté ak ñom xamna ko ndax xaritu Aissata Tall Sall bu tuddé ko doom day sa tal sal mom bi affaire bi amé mo fi génné won force spéciale force occulte mom ay sa tal sal ñom ñaar duñu réro xaritu Abdoulaye Daouda Diallo la buguma dugg ci ay affaire net ku bandum sax waye li xew yépp xam nañ ko ana ko mënuñu la wolu gis bo défé li nga wara def nak dinañ xam ndax mën nañ la wolu wala mënuñu la wolu li mo xew demb ci bureau des doyens des juges amul leneen tégal nañ ko li gëné nañu lalé ay fani nén ñetti question yi dal lam waji laaj raxasu ci paré na ci affaire ba motax ñu né ko dossier bi nak dang koy continuer bokku na ci li nga wara def il faut nga déglu général Moussa Fall instruction day mat on instruit à charge et à décharge faaw nga déglu général Moussa Fall faaw nga déglu commandant Abdou Mbeng faaw nga deglu ki ñuy wax MC Niass ndax dafa taxaw publiquement ne mom amna ci ay finde yu leer nañ te gënë na benn audio bu ñepp gis faaw nga woko deglu ko ndax boy instruire li tubaab naan lepp lu nga xamne mën na contribuer à la manifestation de la vérité lepp li nga xamne mën na gënné ay finde dang ko wara xol ñu ne ko tok dang ko wara deglu da nga wara deglu Mamadou Mamour Diallo nga xamne moy bayu bir bi da nga wara deglu maître Gabi Sow ak maître Dior Diagne da nga wara deglu surtout également le capitaine Touré li boko deful defo instruction ko mu matal am nga ñele jéxal nañ ki ñew jiñ amul benn témoignage à charge contre man benn juge bi interrogé lu mat 10 témoins xana ña fa nekkandoo ak moom ay patron ñi mu doon liggéeyandool ñépp témoignage à décharge ñépp dañ maa setal benn témoignage à charge amul ñun ñu am ay témoignage à charge contre eux yu bëree bëri moo tax ma ne ko il faut nga déglu ñi
ndax bo len deglu defo instruction yarul para para xey jaxul jarul deug fo nga deglu len kon mbok yi ni lañu bëggon léral ci sénégalais parce que dossier bi du dossier judiciaire dossier politique la motax bimu doré ba légui dañ ko traiter politiquement suñu respect ci institution judiciaire ma nga yem ci suñu woy ñu dem kuyu len waye sen doxalil musul dal suñu xel biñu nekké ci politique ba légui justice dafa musa dal suñu kaw té musuñu plainte ba justice traité ko musul am kon ñoñu mënuñu len wolu li dal mo am demb amul leneen lu ci yok mo wax ko sénégalais ñu dégg parce que ñom ñoy véritable justice ci affaire bi té atté won nañ ko ba nopp demb tay doga ñu kon je vais résumer en quelques mots ce que je viens de dire en français. J'ai commencé mon allocution en langue nationale par ce qui s'est passé hier à propos de ma sécurité rapprochée. Le procureur de la République de Mbour et les forces de défense et de sécurité ont profité lâchement, parce que c'est une attitude très lâche ce qu'ils ont fait, de mon audition auprès du doyen des juges, ou par le doyen des juges, pour procéder à l'arrestation de 6 membres de ma sécurité. Et ce, sans remise de convocation à ma connaissance. J'ai entendu dire que, par certains, je ne l'ai pas vérifié, que les convocations ont été remises au moment de l'arrestation. Ce qui n'est pas vérifié apparemment. Sans remise de convocation, alors qu'on n'est pas en face d'une situation de flagrant délit. C'est du kidnapping, c'est pas une arrestation, c'est lâche et c'est indigne. C'est une énième provocation pour essayer de déclencher des réactions de la part de notre parti et de la jeunesse sénégalaise. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de rester encore calme. Parce que cela participe d'un projet beaucoup plus vaste, concocté au plus haut sommet de l'État, piloté par le ministère de l'Intérieur. Le nom de code de ce projet, je ne sais pas si je serai fidèle en langue française, c'est que toute chèvre acculée finira par mordre. La stratégie est très claire, c'est de provocation en provocation, tout faire pour nous pousser à réagir et en profiter pour créer des dossiers judiciaires. Puisque le régime en place, Macky Sall en premier, c'est pertinemment que son complot a raté. Que ce n'est pas avec ce dossier fantoche de viol et de menace de mort qu'il va régler ce dossier. Vous savez, le doyen des juges, tel que je l'ai vu, lui-même ne croit tellement pas à ce dossier qu'il ne m'a posé aucune question sur les menaces de mort. Rappelez-vous que je suis poursuivi pour viol et menace de mort. Aucune question sur les menaces de mort. Parce qu'il sait que c'est ridicule, c'est fantaisiste. Moi qui débarquerai je ne sais où, comme Lucky Luke, avec une artillerie pour menacer. Il n'a posé aucune question sur cela. Donc Macky Sall sait que ce dossier est mort-né, qu'il est vide, qu'il ne correspond à absolument rien, à part essayer de jeter l'opprobre sur ma personne en nous déplaçant sur le terrain vulgaire de mœurs. Mais cela n'a pas payé. Parce que plus ils en inventent, plus je gagne en popularité auprès du peuple sénégalais. Et les deux élections qu'on vient de vivre en attestent suffisamment, puisque nous avons quasiment laminé. Ceci pour vous dire que ce qui s'est passé hier entre dans ce cadre. C'est d'essayer
de créer des dossiers dans ce dossier, puisque ce dossier est vide. Je vous rappelle qu'en mars 2021, plusieurs procédures avaient été ouvertes contre ma personne. Attroupement non autorisé, trouble à l'ordre public, menace sur les institutions, appel à insurrection. Parce que c'était la stratégie, c'était de partir d'un dossier, mais d'en ouvrir une panoplie en se disant qu'il y aura forcément un dossier qui va passer et qui va nous permettre, ne serait-ce qu'une condamnation avec sursis, pour l'empêcher d'être candidat en 2024. Eh bien, je dis à M. Macky Sall qu'il perd son temps, lui et sa justice. Ceux qui ont été arrêtés sont les membres les plus rapprochés de ma sécurité rapprochée. C'est ceux qui ne me quittent quasiment jamais, quelle que soit la situation. Vous pouvez visionner toutes les images, vous verrez qu'ils sont toujours avec moi. Ces messieurs n'ont participé à aucun affrontement. Ils n'ont participé à aucun risque. Et c'est à tort qu'ils ont été arrêtés. Sans identification ni preuve, le procureur qui s'est transformé, lui, en juge, a même décrété leur culpabilité hier. Et vous venez prendre des gens qui sont ciblés depuis longtemps. Limousine, Momo, Petit Lamine, Boy, Diaw, tout le monde sait que depuis longtemps, ils sont ciblés. Ils sont sur les tablettes des forces de défense et de sécurité. Ils sont surveillés, ils sont filés du matin au soir. Nous le savons tous. Et ils ont profité de ça pour venir les cueillir, les mettre dans une pièce, appeler les plaignants pour dire, dites que c'est eux. Dites que vous les avez identifiés. Ils n'ont participé à absolument rien. Et ce qui s'est passé à Tchiki relève de la légitime défense. Parce que nous avons été une énième fois attaqués. Nous, on fait une tournée pour aller à la rencontre des populations. Nous n'allons agresser personne. Et nous avons fait des dizaines et des dizaines de villages dans le département de Mbour. C'était l'avant-dernier village de notre tournée. L'avant-dernier village. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Et là-bas, c'était planifié par une dame qui se trouve être de l'APR et travaille à la présidence de la République, qui a planifié une attaque en règle, et nous n'accepterons jamais de nous laisser taper dessus, de nous laisser jeter des cailloux sans réagir. Mais le plus gros de la réaction, je vais vous le dire, c'est les militants de la localité. Ce n'était pas ma sécurité, parce que ma sécurité était autour de moi. Quand il y a des problèmes de la sécurité, fait bloc autour de ma personne. Et moi-même, de là où j'étais, je n'entendais les bruits que de très loin. Ce qui fait qu'on a poursuivi tranquillement les discussions que nous entretenions avec les populations. C'est à la fin qu'on m'a rapporté ce qui se passait de l'autre côté. Et beaucoup des membres de membres de cette sécurité-là étaient autour de moi. Ils n'étaient pas mêlés à ça. Je rappelle que nous avons plus de militants qu'eux dans cette zone, comme presque partout au Sénégal maintenant. Parce que nous avons gagné Tchiki largement lors de ces élections législatives. Nous avons gagné toute la commune de Dias. Et partout où nous allons, c'est d'abord nos militants et nos jeunes qui viennent nous accueillir et qui font bouclier. Et je veux rassurer Macky Sall et Antoine Diom qu'ils ne pourront jamais décimer ma sécurité. Ma sécurité, ce n'est pas seulement ce que vous voyez là. Et vous voyez que je suis bien encadré. Et ma sécurité, c'est des milliers, voire des millions de jeunes Sénégalais. C'est ça ma sécurité. Je voulais rassurer également qu'ils ne pourront jamais interrompre ou handicaper la tournée nationale que nous avons démarrée. D'ailleurs, après ce petit répit, nous allons reprendre, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine. Nous ferons les 46 départements du Sénégal, nous ferons toutes les communes du Sénégal et nous ferons le maximum de villages du Sénégal pour aller rencontrer des Sénégalais. Et ce qu'on a déjà vu dans le département de Mbour est extraordinaire et dépasse toutes nos attentes. C'est ça qui leur fout la frousse que vous voyez actuellement. Parce qu'ils savent qu'on avait déjà conquis toutes les grandes agglomérations, toutes les cités urbaines. Mais ils se rendent compte
que nous sommes en train de prendre le monde rural. Et c'est ça qui leur fait peur. Mais je les rassure, ils ne pourront pas arrêter cette tournée. Nous allons continuer le plus tranquillement du monde. Ce que je voulais dire ensuite, c'est par rapport à l'audition qui s'est tenue hier au bureau du doyen des juges. Ce matin, hier soir déjà, mais ce matin également, beaucoup de choses ont été dites sur ce fameux face-à-face. Certaines sont vraies, beaucoup d'autres ne le sont pas. Je veux dire simplement que cette audition aurait pu tenir en 15 minutes. Ce qui dénote du manque de sérieux de ce dossier. Un dossier qui a tenu en haleine le Sénégal depuis 18 mois. Un dossier qui a provoqué le chaos dans ce pays comme il n'en a jamais connu. Un dossier qui a coûté énormément au Sénégal en pertes en vies humaines, en biens matériels, en intégrité physique. Un tel dossier. Et tout le monde tenait son souffle et attendait ce fameux face-à-face entre Ousmane Sonko et le juge. Monsieur le juge, monsieur le doyen des juges, ne m'a posé que trois questions. Trois. Pour vous dire vrai, en quittant ma maison, mon épouse m'avait demandé s'il fallait préparer le repas pour nous. Je lui ai dit non, je ne pense pas qu'on reviendra avant minuit. Cette audience aurait pu durer 15 minutes puisque le doyen des juges ne nous a posé que trois questions, j'y reviendrai. Elle a finalement duré beaucoup plus longtemps parce que j'ai pris le temps de développer mes arguments et de démontrer le complot dont je suis victime au doyen des juges. Donc, au moins sur 1h30 minutes, c'est moi seul qui ai développé et qui ai présenté au doyen des juges mes arguments. Le doyen des juges m'a posé trois questions. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Mais j'ai démontré au doyen des juges en quoi ce dossier était un complot. Et je vais citer les acteurs du complot. La liste n'est pas limitative. Parce que si le doyen des juges daignait creuser encore un peu, ce dossier le mènerait tout droit vers Macky Sall. Tout droit vers Macky Sall. C'est là le courage d'aller aussi loin. C'est ensuite... Les acteurs du complot, c'est d'abord l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. J'ai du mal même à mettre le mot procureur, parce qu'un procureur, la dignité d'un procureur ne doit pas permettre certaines choses. C'est ensuite... son bras exécutant, le commandant Abdou Mbeng, qui était le chef de la section de recherche en ce moment. C'est ensuite l'actuel commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, M. Moussa Fall, le général Moussa Fall. C'est M. Mamadou Mamour Diallo, Maître Gabriel Gabi Sow, son nom me revient, Maître Pape Samba Sow dit Gabi, Maître Pape Samba Sow dit Gabi, avocat, Maître Dior Diagne, épouse du ministre de l'Intérieur Antoine Diom, d'après ce qu'on m'a dit. Elle aussi avocate. Et j'ai expliqué, au-delà de ce qui existe déjà dans le dossier, parce que le dossier est à 200% à décharge pour moi. Il ne comporte aucun élément et aucune preuve attestant d'un viol ou d'une menace de mort. Aucun. J'ai dit au doyen des juges, si vous avez des éléments à charge, mettez-les sur la table. C'est le moment. Il y a une accusatrice. Je suis inculpé depuis 18 mois.
Vous n'avez pas osé me convoquer. Aujourd'hui, vous le faites. On a calmé le pays. Et je suis venu tranquillement vous voir. Ce à quoi je m'attends, c'est que vous me disiez, M. Sonko, à partir de la plainte et des investigations que nous avons menées, voilà des éléments à charge contre vous qui prouvent que vous êtes auteur d'un viol sur telle personne. Rien de cela n'a été. Le procureur, le doyen des juges ne m'a, en présence de mes avocats, n'a agité aucun élément de preuve. Aucun. Et donc, je lui ai dit, moi, lors de la première comparution avec son prédécesseur, j'avais inscrit noir sur blanc deux choses. À la question, est-ce que vous reconnaissez les faits? J'avais répondu, absolument pas, je ne reconnais aucun. Je ne reconnais aucun de ces faits. Je n'en connais même pas. Et deuxièmement, je suis victime d'un complot organisé, préparé, exécuté par telle et telle et telle personne. C'est ça qui était inscrit sur le dossier. Je lui ai dit, le dossier a deux volets. Volet accusation, volet contre-accusation. Que chacun apporte ses preuves. Et puisque vous êtes incapable de me montrer ne serait-ce que le début d'une preuve, moi, je vais vous donner mes preuves. Et je lui ai dit, concernant le procureur Serigne Bassirou Gueye, il a comploté contre ma personne sur ce dossier. Et par la grâce de Dieu, parce que depuis qu'on a commencé ce dossier, je ne peux que remercier le Seigneur. Parce qu'à chaque fois et à chaque étape, il a permis d'accéder à des données et des informations qui ont mis en évidence un certain nombre de choses. Depuis la publication par je ne sais qui du rapport d'enquête compromis par Serigne Bassirou Gueye, la publication du certificat médical établi par le gynécologue, jusqu'à maintenant, à chaque mois, à chaque fois, Dieu nous a permis d'accéder à des informations qui ont permis aux Sénégalais. Parce que ce dossier, c'est un dossier politique. Et ceux qui jugent un dossier politique, c'est les Sénégalais, ce n'est pas les magistrats. Ils ont beau s'agiter, mais c'est les Sénégalais qui jugent. Et c'est pourquoi les Sénégalais en juge étaient sortis au mois de mars dernier pour dire ça ne se fera pas. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu accéder à un document qui est essentiel. Essentiel dans ce dossier. De quel document s'agit-il? Il s'agit du procès verbal d'enquête interne de la gendarmerie nationale. Le procès verbal numéro 063-4-4-HC-CAB du 14 avril 2021, intitulé Affaire Capitaine Touré, feuillet 1 à 18. Lorsque les choses se sont passées comme elles s'étaient déroulées l'année dernière, M. Jean-Baptistine, qui était en ce moment le haut commandant de la gendarmerie, un bon soldat, digne et loyal, avait ordonné une enquête. Et cette enquête avait été menée par le colonel Omar Daf, Omar Diouf, et le colonel Crépin Arsène Sambou. Ce rapport, on l'a versé dans le dossier. Les conclusions sont sans appel. Et c'est pourquoi je crois que Macky Sall va avoir la surprise de sa vie parce qu'il ne pensait pas que nous détenions ce document. Il paraît que quand ce document lui avait été remis, la première question qu'il avait posée, c'était « J'espère que c'est la seule copie. » Eh bien, ce n'est pas la seule copie. Parce que nous sommes dans un peuple de personnes dignes et de patriotes. Dans un peuple qui n'aime pas l'injustice. Ce que Macky Sall doit savoir, autant il est renseigné sur nous, autant on est renseigné sur lui. Même quand il prend son petit déjeuner, on sait qu'est-ce qu'il a mangé. Donc, il n'a qu'à arrêter ses gesticulations. Qu'est-ce que dit ce rapport? Ce rapport dit
que Serigne Bassirou Gueye, procureur de l'époque, a travesti, a manipulé, a détérioré une pièce centrale dans un dossier, c'est-à-dire l'enquête préliminaire conduite par les capitaines Omar Touré et le capitaine Diouf. Il a manipulé les conclusions de ce rapport pour y introduire des éléments à charge contre moi et y soustraire des éléments à décharge. Il n'y a rien de plus grave. C'est une forfaiture. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons décidé, dès lundi, s'il plaît à Dieu, de déposer une plainte devant la Chambre criminelle de la Cour suprême et devant l'IGAGE contre le sieur Serigne Bassirou Gueye, avec preuve à l'appui. Il a dénaturé ce rapport dans quel sens? Un certain nombre d'éléments à décharge relevant des conclusions des enquêteurs sur la partie intitulée « Réflexion sur les faits ». Un certain nombre de décharges dans lesquelles les enquêteurs exprimaient leurs doutes. Comment quelqu'un qui se dit victime de viol répétitif peut-il demander aux autres personnes qui étaient présentes dans la salle de quitter la salle pour la laisser seule avec son bourreau? Comment cela est-il possible? Comment est-ce que une personne qui doit avoir été victime de viol répétitif avec menace de mort peut supprimer des messages qui, en soi, devaient être des pièces à conviction qui prouveraient ces accusations? À la question de savoir, vous dites que vous avez reçu des SMS de Sonko qui disaient ceci, où sont ces SMS? Elle dit, j'ai supprimé ces SMS. Et les enquêteurs avaient dit, qu'il y avait, comment elle a pu supprimer ses preuves matérielles qui auraient pu participer à la manifestation de la vérité. Ensuite, pour une victime de viol répété, son comportement reste assez curieux. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à sa patronne, sachant que cette dernière interdit formellement d'entretenir des relations extra-professionnelles, ainsi de suite. Et ensuite, la partie où le dénommé Sidi Ahmad Mbaye reconnaissait avoir participé à la préparation en montant le guet devant l'Institut pendant longtemps, toutes ces parties-là ont été censurées, enlevées du rapport par Serigne Bassirou Gueye. Je rappelle qu'un procureur n'a pas le droit de modifier une virgule d'un rapport. Il est certes le maître des poursuites, mais l'enquête dépend exclusivement des enquêteurs. Il n'a pas le droit de le modifier, de le censurer. Mais le plus grave, après avoir enlevé des éléments à décharge, le procureur a introduit dans le rapport final des éléments, de faux éléments à charge. Il est allé chercher des images qui peuvent choquer les bonnes mœurs. Des images attentatoires à la pudeur. Et l'objectif, c'était d'atteindre la propriétaire de l'Institut, l'accuser de proxénétisme et pouvoir par ailleurs atteindre son goût. Et c'est pourquoi il est allé sur Internet où il est allé puiser énormément d'images obscènes que vous voyez là. Toutes ces images-là, c'est Serigne Bassirou Gueye qui les a introduites dans le dossier alors qu'elles n'ont absolument pas de rapport avec l'Institut. Et ça ressort du document. Mais mieux encore, mes avocats avaient déposé une requête auprès du doyen des juges en lui demandant de saisir la cybercriminalité pour vérifier le rapport de ces images avec l'Institut en tant que tel. Quand les résultats sont sortis, quand la cybercriminalité a fait ses investigations, il est apparu que ces images n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'Institut de Mme Ndaye Khady Ndiaye. Ça, c'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Ce monsieur est un criminel. Et c'est pourquoi j'ai déposé une plainte. Parce que ses agissements
son complot, son acharnement à charger un homme politique ont coûté la vie à 14 jeunes Sénégalais. C'est très grave ce que Bassirou Gueye a fait. Le deuxième impliqué dans ce complot, c'est le commandant Abdou Mbeng. Parce que tout ce qui s'est fait, c'est à Abdou Mbeng que le procureur Bassirou Gueye donnait des instructions pour dire « enlève ceci, mets cela » en dehors de toute participation des enquêteurs eux-mêmes. C'est cela que le capitaine Touré a dénoncé. Cet homme est un homme digne. Je n'ai aucun lien, je le dis. Jusqu'au jour où le capitaine Touré est venu me remettre une convocation chez moi, je n'avais jamais vu ni entendu le nom du capitaine Touré. Je n'avais jamais vu l'homme, je n'avais jamais entendu son nom. Et depuis ce jour, jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai jamais vu cet homme. Il y a des Sénégalais extrêmement dignes et qui nous rendent fiers, qui doivent nous rendre fiers tous tant que nous sommes. Parce qu'il a vécu des pressions. Le rapport a conclu, le rapport interne de la gendarmerie a conclu effectivement qu'il y avait des menaces sur la vie du capitaine Touré et que sa hiérarchie n'a pas réagi. Cet homme n'aurait pas dû mériter d'être exclu de la gendarmerie. Il devait être dévoré plutôt que d'être exclu de la gendarmerie. C'est ces injustices, ce complot qui était insupportable pour lui. Bien qu'il ne me connaisse pas, bien qu'on ne se soit jamais vu, mais en tant que patriote et un homme digne qui a prêté serment de servir le Sénégal et non pas des hommes, c'est ça qui l'a amené à dire non. Mais ce n'est pas des proximités ni rien d'autre. Et le troisième, c'est le général Moussa Fall. Il est établi dans ce rapport, le capitaine Touré l'a dit, le capitaine Diouf a confirmé en avoir entendu parler, que le général Moussa Fall, 15 jours avant les faits supposés ou les faits déclarés, parce que ça n'atteint même pas le niveau de supposition, eh bien, le général Moussa Fall avait instruit le commandant Abdou Mbeng de dépêcher un MDL chef sur les lieux, en le disant qu'il a appris que je fréquentais cet endroit et qu'il y aurait une jeune fille mineure séquestrée là-bas et qui serait victime de sévices de ma part. 15 jours avant les faits déclarés. Et cette information est bien confirmée. Parce que pendant les 6 jours de ma détention à la section de recherche, entre le 3 et le 8 mars, un MDL chef est venu me voir dans la chambre qui me servait de lieu de détention et m'a confirmé. Il m'a dit que c'est moi-même qui avait été envoyé là-bas. Et quand je suis allé, je me suis débrouillé même pour entrer. Et quand je suis sorti, j'ai appelé ma hiérarchie pour leur dire que ce que vous dites ne peut pas se faire là-bas. Parce que c'est une maison avec une famille qui y habite, des gens qui y travaillent, je vois mal comment cela peut se faire là-bas. Comment un général de gendarmerie peut se permettre de telles pratiques qui déshonore son grade et son rang? Il est membre à part entière de ce complot. Monsieur Mamoudou Mamour Diallo, lui, c'est l'évidence même, puisqu'il a appelé la propriétaire de l'institut quand elle était soumise à l'enquête au niveau de la section de recherche pour lui proposer des sommes d'argent progressives jusqu'à atteindre 200 millions, je crois, en échange du changement de sa version. Qu'elle accepte de changer sa version pour me charger et pour me désigner. C'est que la bonne dame a refusé. Voilà une dame également extrêmement digne qui a subi beaucoup de choses. Elle a failli perdre son enfant. Serigne Bassirou Gueye, mais cet homme n'est pas humain, a envoyé des éléments de la gendarmerie pour leur dire de lui arracher son enfant qui était né prématuré. Et le médecin a dit, si vous voulez enlever son enfant, vous serez responsable de la mort de cet enfant. Comment un procureur participant à un complot d'État peut aller aussi loin?
Mais en plus de cela, tous les Sénégalais ont entendu un audio identifié par lequel ou dans lequel le sieur Mamoudou Mamour Diallo entretenait une conversation avec la plaignante pour rappeler les engagements qu'il avait pris vis-à-vis d'elle, de lui donner des documents de voyage, passeport, visa, de l'argent, lorsque cette affaire serait terminée, c'est-à-dire lorsque le procès se tiendrait. Et hier, j'ai dit au doyen des juges, j'ai posé la question au doyen des juges, est-ce que c'est vous qui avez promis aux gens un procès? Parce que vous êtes le seul à pouvoir renvoyer un procès sur un dossier totalement vide. Et tous les gens de la paire, de la présidence de la République aux plus petits militants, sont convaincus qu'il y aura procès. Nous savons les pressions qu'ils subissent, je vais y revenir. Maître Gabisso, qui est le beau-frère de Mamour Diallo. Je rappelle que Mamour Diallo, il y a quelque chose qui nous oppose et tout le monde le sait, c'est que j'avais fait une dénonciation sur une escroquerie dont il est l'auteur avec ses complices portant sur 94 milliards. Personne n'oublie ce dossier. Et il ne l'a jamais, jamais digéré. Aujourd'hui, un rapport de l'OFNAC est sorti, parce que j'avais saisi l'OFNAC. Et le rapport a dit que m'a donné raison sur toute la ligne et a demandé à ce que le procureur ouvre une instruction judiciaire et poursuive Mamour Diallo et ses complices pour escroquerie sur des milliards de nos deniers publics. Cet homme m'en veut à mort. Et c'est cet homme que Macky Sall vient il y a une dizaine de jours à peu près de nommer à la tête d'une direction nationale. Et c'est avec lui qu'on l'a vu sourire benoîtement à Pokoguine, comme des insuffisants mentaux, pensant pouvoir, nous atteindre ou je ne sais pas quoi. Vous savez, nous avons un présent, je crois, qui est revenu à un niveau tellement puéril et enfantin. C'est que les Wolofs disent Fayantou. Il fait des choses en pensant que ça va déplaire à tel. Il ne les fait pas parce qu'il est président de la République. Et c'est puéril, c'est enfantin. Et ce maître Gabisso, le médecin gynécologue, dans sa déposition, a clairement dit que c'est maître Gabisso qui l'a appelé la veille des faits. C'est-à-dire, vous avez vu, nous sommes en face d'un crime prémédité. Pas par le criminel, mais par les victimes. C'est unique dans l'histoire criminelle du monde. Prémédité par les victimes. Maître Sow a appelé un gynécologue la veille pour lui dire, est-ce que vous serez demain à Dakar? Oui, je serai demain à Dakar. Restez à mon écoute. Le lendemain, à l'heure, oui, je veux que vous alliez à tel endroit, il y a une personne victime de viol, etc. Le médecin a dit, je ne peux pas. Non, elle est dans une situation critique entre la vie et la mort, etc. Le médecin a dit, pour qu'on ne me colle pas non-assistance à personne en danger, je me suis rendu. Et quand je suis arrivé, quand on m'a présenté la personne, j'ai dit, est-ce que cette personne? Parce qu'elle était normale, souriante, etc. Aucun signe de quoi que ce soit. Donc, ce monsieur est également, et on le soupçonne même d'être le directeur de la plainte, parce que la plaignante, qui n'a même pas le niveau de troisième secondaire, dit avoir rédigé une plainte que même un certain nombre d'avocats ne pourront pas rédiger avec des articles très précis du code pénal. C'est une révolution. Il y a Maître George Jagne, enfin, qui est l'épouse du ministre de l'Intérieur. Tout le monde connaît ce ministre de l'Intérieur, je n'ai pas besoin de vous le décrire. C'est le summum de la bassesse. C'est un homme qui tuerait père et mère pour la carrière. Je vous le dis parce que je le connais personnellement. Et son épouse est mêlée à ce complot. Rappelez-vous, dès les premiers jours de cette affaire, il y avait une information qui avait fuité et qui venait d'elle. Elle décrivait la procédure. Oui, ne le prenez pas, ne l'enfermez pas. Ça va brûler le pays. Il faut faire ceci. Il faut l'amener devant, tout faire pour organiser un procès. Et puis, on va le confondre. Il va avouer la relation sexuelle. Sa réputation sera ternie et puis c'est fini. Et elle ne s'est pas limitée à ça. Parce que
la dame de Khadija a affirmé qu'elle l'avait trouvée à la section de recherche pour la menacer de changer sa version. Nous pouvons y ajouter Macky Sall lui-même. Parce que si vous observez bien, tous ceux qui ont refusé de participer au complot ont été sanctionnés. Le capitaine Touré a été sanctionné. Le général Tin a été sanctionné. L'MDL chef dont on parle a dû quitter la gendarmerie. Ainsi de suite. Mais tous ceux qui ont accepté de collaborer, le général Moussa Fall a été promu. Le commandant Abdou Mbeng est passé colonel. Mamoudou Mamour Diallo a été nommé directeur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Serigne Bassirou Gueye a été détaché au palais de la République. Et rappelez-vous qu'une dame a fait un témoignage public attestant d'un lien qui existerait entre Mademoiselle Hadji Sarr et M. Macky Sall. Et c'est pourquoi nous l'avons ajouté également dans la liste des témoins. Voilà ce qui s'est passé hier au bureau des doyens des juges. Rien d'autre. Le doyen des juges m'a posé 3 questions. La première, est-ce que je reconnais avoir fréquenté les lieux? J'ai dit oui. À quelle date? Je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas un robot pour... Oui, je n'ai pas un calepin du matin au soir pour dire à telle heure j'étais ici, etc. Ça, c'est peut-être les enquêteurs de la police qui font ce genre de pratique. Il m'a dit, est-ce que je reconnais avoir entretenu des relations avec la dame? Je lui ai dit, je ne vous permets pas de me poser de telles questions. Quand un dossier de complot est si manifeste, avec des preuves, et de l'autre côté, vous n'avez aucune preuve, je ne vous permets pas, vu le statut que j'ai, parce que dans 16 mois, j'ambitionne d'être président de la République sénégalaise, je ne vous permets pas, monsieur le juge, de me poser ce genre de questions. Et de surcroît, ce n'est pas à moi de vous donner des preuves. Et troisième question, est-ce que j'accepterai des prélèvements pour un test ADN? J'ai dit, mais vous, est-ce que ça va? Là-dedans, est-ce que ça va? Vous n'avez aucune preuve. Vous ne me mettez absolument rien. Vous voulez que moi, je donne mon sang à des comploteurs. Si vous dites avoir fait des prélèvements, qui les a faits? Qui les a gardés? Le commandant Abdou Mbeng, le procureur Bassirou Gueye, et me dites-moi de donner mon sang pour qu'on aille comparer avec ce que ces gens-là ont fait. Votre dossier, maintenant, se résume à une histoire de sang. Moi, mon sang, là, Sonko Bankirankoli, vous ne l'aurez jamais. Si le dossier se résume à ça, il est terminé. Que chacun va à ses occupations. Mais je l'ai dit, si vous êtes conséquent avec vous, vous devez poursuivre vos investigations sur la théorie du complot. Ce n'est même plus une théorie, sur la réalité du complot. Et si vous êtes courageux, vous irez loin. Et je lui ai rappelé la jurisprudence du Watergate aux États-Unis, qui a pris coûté au président Nixon son deuxième mandat. Parce que le parti qui était au pouvoir avait comploté contre son opposition en mettant un système d'écoute au niveau de leur siège et ailleurs. Quand ça a été découvert, une enquête a été menée et grâce à la détermination d'un juge qui a refusé de laisser tomber. Ça s'est passé avant le second mandat de Nixon. Le juge a continué, Nixon est allé en campagne, il a eu un second mandat, le juge n'a pas lâché. Et il a fallu mettre en place une commission sénatoriale. Cette commission a conclu à la culpabilité de Nixon et à sa destitution. Quand on met tous les moyens d'un État pour comploter contre une opposition, contre un opposant, cela est une haute trahison de la part de ce régime. Mais je sais qu'il n'aura pas le courage d'aller si loin. Et c'est pourquoi, pour terminer, nous avons demandé au juge si vraiment il veut une investigation digne de ce nom, de convoquer le général Moussa Fall et de l'entendre sur ses agissements. De convoquer le commandant Abdou Mbeng, devenu colonel. De convoquer
le dénommé MC Nias, qui a déclaré publiquement avoir des preuves, et il en avait sorti au moins une, le fameux audio qui mettait en conversation Mamour Diallo et Hadji Sarr, de convoquer M. Mamoudou Mamour Diallo, apparemment le cerveau même de tout ce qui s'est passé, de convoquer Maître Gabisso et Dior Diagne, d'entendre également le capitaine Omar Touré. S'il ne le fait pas, il n'a pas instruit. S'il ne le fait pas, il n'a pas instruit ce dossier. Certes, il a posé beaucoup d'actes à décharge, mais nous, on ne peut pas nous endormir. Si la consigne qu'il a reçue de Macky Sall, c'est dans tous les cas de renvoyer à un procès. Il peut poser des actes qui donneraient à penser qu'il instruit à décharge. L'important pour eux, c'est qu'on finisse, on parle, on renvoie vers un procès. Et j'ai dit à ce doyen des juges que je n'ai aucune raison de lui faire confiance. Parce que il avait posé des actes sur ce dossier avant qu'il ne lui soit confié. Rappelez-vous qu'au mois de février, dès que cette affaire a éclaté, il avait partagé sur sa page Facebook un article tendancieux à charge contre moi, écrit par un militant de l'APR vivant en France qui se trouve être son parent, son beau-frère même. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un juge qui a posé cet acte déjà? Je lui ai dit, monsieur le juge, nous n'ignorons pas vos liens avec beaucoup de pontes de la République. Nous savons qu'il est très proche d'Aïssata Tall Sall, qui nous avait accusé de tous les noms, qui avait fait des courriers à toutes nos ambassades à l'étranger pour leur demander de me dépeindre en diable. Et c'est elle qui avait sorti le terme de force occulte, dont elle est seule à connaître. Ils sont très proches et le juge Maham Diallo lui a même donné le nom d'une de ses filles. Nous connaissons ses relations avec les Ablaye Daouda Diallo, les Farbangom. Je ne veux pas parler d'ethnie ni de Netoukoubandou, mais nous connaissons tout. Mais nous savons surtout les pressions qu'il subit et quelquefois même les menaces. Je lui ai rappelé que son prédécesseur, M. Samba Sall, au dernier jour de gestion de ce dossier au mois de mars, avait confié qu'il avait peur pour sa vie. Mais il avait dit qu'il avait plus peur de l'État que des manifestants. C'est assez significatif. Et il a préféré quitter chez lui pour aller loger chez un avocat en ville. Nous savons que lui-même subit les mêmes pressions et qu'il a peur. Il aurait avoué à demi-mot. Mais quelle que soit la situation, il doit savoir que le peuple n'acceptera plus certaines choses. Lui, comme tous les magistrats, à chaque fois que ce pays a brûlé, c'est parti d'un magistrat ou d'un groupe de magistrats. À chaque fois. N'eût été ça, nous sommes le pays le plus paisible. Que les magistrats disent le droit, rien que le droit. Mais des magistrats qui s'aplatissent devant l'exécutif. Des magistrats qui, même face à l'évidence, suivent au droit et l'œil ce que l'exécutif leur demande. Et ces magistrats-là qui posent les problèmes. C'est les manipulations de Serigne Bassirou Gueye et autres qui ont coûté 14 morts au Sénégal en 2021. Et cela ne doit plus se reproduire. Et c'est pourquoi nous n'accepterons plus cela. Et cela, je l'ai dit également aux juges, ce ne sont pas des menaces. Voilà ce qui s'est passé hier au bureau du doyen des juges. Il n'y a rien d'autre. J'ai été exhaustif. Rien d'autre ne s'est passé. Les petites histoires mystiques, etc., ça, c'est anecdotique. C'est pour amuser la galerie. Voilà, messieurs et dames de la presse. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Allez-y rapidement. Qui a... Non, je...
Allez-y, monsieur Diong. Vous avez toujours demandé en conseil, après avoir eu un pas à partir avec le juif, une confrontation avec Anissa n'est pas exclue. Est-ce que vous faites une confrontation avec Anissa si le magistrat est dit que le gouvernement? Monsieur, vous posez une question évidente, vous avez même la réponse vous-même. Je crois qu'il faut bien poser les questions. La procédure relève du juge et pas de moi. C'est le juge qui va décider des actes qu'il pose. Nous, on est à la disposition de la justice. Donc, c'est des questions qui se répondent d'elles-mêmes. La deuxième chose, je n'ai jamais demandé un procès. Soit vous connaissez la procédure, vous ne la connaissez pas. On est à la phase instruction. Si le juge instructeur décide qu'il y a non-lieu, on ne va pas en procès. S'il décide qu'on va en procès, on va en procès. Donc, ne me dites pas que vous avez toujours demandé un procès. Merci. Monsieur les journalistes, si vous n'avez pas de questions, on arrête. C'est impertinent. On vient de répondre à ça, vous me dites c'est la même question. Allez-y. La deuxième question, le président de l'État a demandé à son ministre de la Justice de voir les modalités de l'élaboration d'une loi d'amnistie. Beaucoup pensent que cette loi pourrait permettre à votre allié Khalifa Saleh et Karim Ouattara de se présenter à la présidentielle de 2024. Quelle serait la position de PASTE, des députés de PASTE, si jamais cette loi arrive à l'Assemblée nationale? Merci madame, vous posez des questions de géopolitique. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a jamais cessé de l'être, mais il faut comprendre qu'il y a des séquences dans l'histoire de l'humanité. Il y a des moments, la lutte d'influence, elle est liée aux États. C'est ça l'histoire de l'humanité. Depuis les royaumes, avant même les royaumes, depuis les tribus, chaque groupe tente d'étendre son influence sur les autres. Il y a maintenant des séquences, il y a des séquences plus ou moins agitées qui peuvent aller d'une sorte de guerre froide à des guerres physiques sur le terrain, et il y a des périodes plus ou moins d'accalmie. Nous étions sortis d'une période plus ou moins d'accalmie avec des soubresauts. Depuis la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale jusqu'à présent, on a connu peut-être la guerre d'Irak, on a connu la guerre au Vietnam, on a connu la guerre en Syrie, etc. Mais c'était concentré quelque part et ça n'avait pas pris une certaine importance. Là, on est dans une phase beaucoup plus chahutée parce qu'elle oppose les blocs qui s'étaient opposés dans la guerre froide. Vous avez la Russie, qui est l'émanation de l'URSS. Vous avez la Chine, donc le bloc communiste, et de l'autre côté, vous avez le monde occidental. Cela nous amène à la situation que nous connaissons. Guerre sur le territoire européen, on pensait que c'était révolu. Menace de guerre en Asie, aussi bien entre les deux Corées qu'entre la Chine et Taïwan, ce qui impliquerait certainement les États-Unis. Menace de guerre en Asie orientale, entre l'Iran, notamment, et l'Arabie Saoudite, évidemment, cela rend le monde beaucoup plus incertain.
Et au-delà de ça, il y a la guerre d'influence économique. Quelle est notre position? Les Africains doivent assumer leur destin. Il faut qu'on arrête de penser qu'on doit toujours être sous le couvert de quelqu'un. Les gens pensent que nous sommes contre la France. Le débat ne se pose pas comme ça. Nous voulons avoir des relations d'égal à égal, équilibrées, équitables avec tout le monde. Nous n'allons pas quitter une domination pour accepter une autre. Quand je vois nos frères burkinabés faire, en tout cas sortir pour manifester leur satisfaction après un coup d'État, porter le drapeau russe, je dis, il y a un problème. On ne remplace pas la France par la Russie. On veut traiter avec tout le monde d'égal à égal. Et on veut surtout être libre et digne. Mais l'Africain pense toujours qu'il faut qu'il soit sous le couvert de quelqu'un. Nous ne remplaçons pas la France par la Chine ou par les États-Unis. Nous voulons traiter librement, équitablement avec tout le monde. Et nous n'accepterons aucune domination. Parce que souvent, quand on parle de ça, les gens ciblent la France parce qu'on a une histoire coloniale. Mais savez-vous que certaines nouvelles puissances ont des pratiques beaucoup plus nocives à notre endroit que la France? Vous le savez. Quand des puissances viennent signer avec nous, nous prêtent de l'argent, nous imposent leur entreprise, ne payent pas l'impôt, même l'eau qu'ils boivent, ils amènent ça de chez eux. Et pire encore, gagent la dette qu'ils laissent ici, sur nos infrastructures. Si vous ne payez pas, je prends le port. Si vous ne payez pas, je prends telle chose. Ces pratiques sont beaucoup plus dangereuses que ce qu'on crée avec la France. Et donc, nous, notre ligne, c'est la ligne de la souveraineté. Ce n'est pas une ligne de changer une domination par une autre, un complexe par un autre complexe. Je ne vais pas développer trop longtemps. Pour la seconde question, notre position a toujours été très claire. Nous réclamons l'organisation d'une élection présidentielle en 2024. Libre, transparente, démocratique, à laquelle participeraient tous les acteurs politiques qui remplissent les conditions. Donc, à l'exclusion de Macky Sall, ne remplit pas la condition. Et qui ont été, dont certains ont été empêchés par des manipulations judiciaires pour les écarter de la course. Et c'est pourquoi nous n'avons même pas attendu ça. Nous avons instruit nos députés de préparer un projet de loi pour la modification des articles L29, je crois, L30, pour régler la question de l'éligibilité. Et des juristes sont en train de travailler dans ça. Lorsque nous travaillons pour mettre en place notre coalition, c'est moi-même qui me suis levé pour dire qu'il faut qu'on inscrive dans la charte l'amnistie obligatoire pour Khalifa Sall et Karim Wade. Nos amis du PDS ont dit non, nous on n'est pas intéressés par une amnistie. Tout ce qu'on veut, c'est la révision du procès et la modification des dispositions du code électoral, et cela suffira. Mais nous, dans notre... Je suis Ibrahima Khalil Dien de Africa 7. Voilà, par rapport au dossier, en fait, nous avons constaté que depuis le début donc, du dossier, vous faites allusion à un complot. Est-ce que vous croyez que actuellement, ainsi que votre pool d'avocats, vous disposerez suffisamment de preuves, parce qu'on le sait en matière de justice, la preuve incombe au demandeur, au cas où vous auriez obtenu le non-lieu pour l'affaire Adjissar et que vous voudriez entamer une procédure pour véritablement élucider le complot, est-ce que vous disposez suffisamment de preuves pour véritablement pouvoir obtenir gain de cause? La deuxième, 14 jeunes ont été
tués lors des événements de mars 2021. Vous avez un pool d'avocats qui se compte en dizaines, pour ne pas dire donc 20 avocats. Donc, aujourd'hui, est-ce que Ousmane Sonko en personne va faire la même chose pour véritablement avoir des avocats pour qu'un procès soit très rapidement mis en place pour élucider donc, la mort de ces 14 jeunes qui n'est toujours pas donc, élucidée? Merci. Je pense que... Non, attendez. Je pense que Monsieur Sen, bien. Votre première question, si je me rappelle bien, a trait à aux preuves. Je crois avoir suffisamment déroulé sur cette question. Franchement, je vous aime bien, Monsieur Dien, mais et non seulement j'ai suffisamment déroulé sur cette question. Mais j'ai dit, je n'attends même pas le non-lieu, puisque je vous dis que je vais déposer un recours contre Seigne Bassirou Dien. Par rapport aux accusations, je ne peux entamer une procédure que lorsque celle-là sera achevée. C'est pourquoi on ne l'a pas fait. Mais par rapport à Seigne Bassirou, je vous dis que dès lundi, je déposerai une plainte. Donc je crois avoir répondu largement à cette question. Pour les 14 morts, j'aimerais bien de temps en temps que les journalistes puissent accéder à Macky Sall pour lui poser ces questions. Vous savez, moi, je ne gère pas l'État. Je ne peux pas contraindre la justice à ouvrir un dossier, mais on l'a demandé. On a déposé dans le cadre du M2D. Et on a saisi la justice internationale également. Et vous avez vu la directrice d'Amnesty quand elle est passée l'autre jour. C'est à l'État. Et l'État avait annoncé une enquête. Mais demandez à l'État où se trouve l'enquête. Moi, je ne peux pas faire l'enquête. Les questions, il faut les poser aux vrais acteurs. C'est la justice qui doit traiter le dossier. C'est l'État qui doit ouvrir une enquête. L'État ne fait pas, la justice ne fait pas. Que voudriez-vous que moi je puisse faire? Mais absolument rien. Alors, pour le reste, c'est les deux questions que vous avez posées. Voilà. Je prends une dernière question parce qu'il est l'heure de la prière. Et il faut changer. Il faut changer de côté. Mais comment ça? Monsieur Barry, ce dossier était là quand j'allais aux élections législatives. Il était là quand j'allais aux élections locales. À la limite, ce dossier m'a renforcé, moi. C'est un dossier qui nous renforce et qui nous a beaucoup renforcé. Je me demande, est-ce qu'il faut pas rendre grâce à Dieu qu'il y ait eu ce dossier? Ce qui est constant, c'est que je serai candidat en 2024, Inch'Allah. Et j'ai très bon espoir d'être le prochain président de la République. C'est tout ce que je veux dire. Vous posez en français, je réponds en français. Monsieur, vous posez une question répondue. J'ai répondu à ça, monsieur. Soit vous n'écoutez pas, soit vous... Voilà. On a répondu à tout. Il est l'heure de la prière. Merci beaucoup.